La foule est venue nombreuse sur la grande place de Tombouctou à l'appel des combattants d'Ansardi. Au micro, un juge qui annonce que ce matin, en application de la charia, un couple qui a eu des relations sexuelles sans être marié va être châtié en public. Du jamais vu au Mali, mais depuis que le nord du pays est tombé aux mains de ces fondamentalistes, plus rien ici n'est comme avant. Les premiers coups de fouet sont pour la jeune femme agenouillée sur le sable, elle s'appelle Zebou. 100 fois, ces bourreaux qui se relayent vont la frapper sur le dos, certains plus forts que d'autres. Elle implore leur pitié, mais rien n'y fait. Personne, évidemment, n'osera s'interposer. C'est ensuite au tour de son amant, Amaradan, il a 23 ans, un cuisinier au chômage. Les deux jeunes gens auraient conçu un enfant hors mariage, un crime aux yeux des nouveaux maîtres de la ville. 100 coups de fouet pour lui aussi. Une ambulance est là qui les conduira à l'hôpital où l'on nous dit que le jour même, ils ont été mariés par le juge qui les avait condamnés. Ansardi leur aurait même remis une petite somme d'argent pour l'occasion. L'alcool, la cigarette, la musique, le cinéma déjà étaient interdits dans toute la région. Tous savent désormais que l'amour, lui aussi, doit obéir à la loi des islamistes.